Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por venir al ciclo de conferencias en relación a la exposición Impresionismo y Aire Libre. Bueno, hoy es la penúltima conferencia. Tenemos el auténtico honor de tener con nosotros a Vincent Pomared, conservador general de patrimonio en el Museo del Louvre. Es una verdadera autoridad sobre el tema, casi diría que es la persona que actualmente más sabe sobre el tema de la pintura al aire libre. Bueno, Vincent Pomared ha trabajado ya en el museo con nosotros en varias exposiciones, como ustedes posiblemente saben. Fue comisario de la exposición Sisley, de la exposición Corot y también de la exposición de Fontaine-Latour, así que hemos colaborado con él habitualmente y es siempre un placer tenerle con nosotros. Y bueno, yo querría decir particularmente que yo he seguido muy de cerca a la hora de organizar la exposición todos sus artículos y todos sus escritos sobre la pintura al aire libre. Él desde sus inicios, desde los años 90, comienzos de los años 90, se ha dedicado, entre otras materias, pero vamos, fundamentalmente a la obra de Corot, por ejemplo, a la obra de Michelon. Él celebró fue comisario de una exposición en el año 94 sobre la obra de Michelon, la primera prácticamente que se ha hecho y que demostró incluso para los franceses la importancia de este pintor, que fue el maestro de Corot. Y bueno, en el año 96 participó en la gran exposición que se hizo sobre pintura al aire libre, también en el 2002, luego ha realizado otras exposiciones posteriormente. También querría citar la exposición que hizo en Lyon como director del Museo de Lyon antes de llegar al Louvre sobre la pintura del Barbizon, el bosque de Fontainebleau. Y bueno, un poco enlazando, fue la primera vez que se enlazaron las generaciones, las distintas generaciones que trabajaron en el bosque Fontainebleau, primero los neoclásicos y su relación con la pintura de la L'École de Barbizon, que no se conocían esas relaciones anteriormente. Bueno, como digo, es un verdadero placer tener con nosotros a Pomared, que es la persona que más sabe sobre este tema, y le doy muchísimas gracias por haber accedido a participar en el curso y también en el catálogo. Muchísimas gracias. Y por sus préstamos también del Museo del Louvre a la exposición. Muchas gracias. Bueno, lo siento verdaderamente. Lo he anunciado ya dos veces. Siento mucho el cambio de horario. El cambio un poco es un poco motivado porque no se puede. La agenda del señor Pomared es bastante intensa y la única manera que nos ha sido posible que diese la conferencia hoy ha sido, ha hecho el esfuerzo grandísimo de que ha venido esta mañana en un avión y después de dar la conferencia se va a marchar a París y es la única posibilidad que teníamos. Lo siento el adelanto, pero bueno, es un poco. Muchas gracias. Bonsoir a tous. Je suis très heureux de revenir a Madrid et de revenir au Musée Thyssen pour une exposition consacrée au plein air qui, je viens de la visiter, qui est vraiment une exposition extrêmement réussie. Et j'espère que la conférence que je vais faire ce soir va pouvoir éclairer pour les visiteurs qui ont déjà eu la chance de se rendre dans cette exposition, va pouvoir éclairer leur visite et leur connaissance et va pouvoir donner envie à ceux qui n'ont pas encore visité l'exposition de s'y rendre très, très rapidement. Et je m'excuse évidemment de parler en français. Malheureusement, je n'ai pas appris l'espagnol et je le regrette beaucoup parce que j'ai l'occasion de travailler fréquemment avec votre pays et je dois dire que le fait de ne pas parler l'espagnol me manque profondément. Donc je vais m'exprimer en français, je vais essayer de ne pas parler trop vite pour que notre traductrice puisse traduire tout ce que je vais vous dire ce soir. Donc, j'ai choisi de commencer ma conférence par un tableau de Corot qui est conservé au Musée du Louvre.
qui représente l'église de la Trinité des Monts à Rome, vue depuis la Villa Médicis, où Corot ne séjournait pas, mais où il avait de nombreux amis. J'ai choisi cette œuvre parce que je pense qu'elle est très très représentative de ce que les historiens de l'art ont longtemps considéré comme étant les débuts de la peinture de plein air en Europe, Corot étant traditionnellement surnommé le père de l'impressionnisme ou l'ancêtre de l'impressionnisme. On pensait que c'était grâce à lui que la génération de 1870, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, tous ces peintres qui avaient changé de fait la peinture dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, on pensait que c'était Corot qui les avait inspirés et qui avait été en quelque sorte leur ancêtre. Et on avait parfois l'habitude de dire que l'œuvre de Corot était à la fois un miracle artistique par son réalisme, par sa spontanéité, par la manière dont il peint la nature avec ses lumières très belles, avec ce sens des volumes très très solides, et également avec cette liberté que l'œuvre que vous avez devant les yeux illustre très bien, puisqu'elle est inachevée, elle est exécutée en plein air, mais il l'a laissée à un stade d'inachèvement volontairement, estimant que son travail de création était accompli. Mais on disait aussi que Corot, non content d'être un miracle artistique, était aussi un miracle historique, c'est-à-dire qu'il avait été le premier ou parmi les premiers à travailler en plein air et à être donc en quelque sorte l'ancêtre de tous ces artistes que l'on va voir surgir dans les bois. Ici, vous avez un de ses amis, André Giroux, qui se trouve en Italie en même temps que Corot en 1825, qui montre un peintre en train de travailler en plein air, et on a le sentiment que c'est des artistes qui s'habituent à cette posture, à se retrouver ainsi avec leur chevalet et à travailler à l'huile, au pinceau, devant le motif. Donc les historiens de l'art, pendant très longtemps, je dirais même jusque dans les années 1960, voire jusqu'en 1980, considéraient que l'art du plein air était au fond une invention du XIXe siècle, invention qui avait été initiée par Corot et sa génération et qui ensuite avait explosé dans la deuxième moitié du XIXe siècle. D'ailleurs, lorsque l'on lit les histoires de l'impressionnisme, il arrive très très fréquemment qu'on attribue même le travail en plein air à la génération impressionniste. Bien évidemment, cette lecture de l'histoire de l'art a été remise en question. Il faut préciser que, durant la même période, les mêmes historiens de l'art détestaient le paysage qui était alors présenté dans les salons entre 1780 et 1820-1830, ce que l'on appelle le paysage historique, qui, bien sûr, représentait la nature, mais une nature qui, au fond, n'est que le décor d'une scène qui peut être inspirée de la mythologie, comme c'est ici le cas avec ce tableau représentant Byblis se transformant en rocher, donc qui est un tableau peint par Pierre-Henri de Valenciennes, que nous allons retrouver tout à l'heure, ou le pendant du tableau précédent, ce tableau qui représente Narcisse se mirant dans l'eau, qui est également par le même Valenciennes et qui est conservé, comme le précédent, au musée des Beaux-Arts de Quimper. Donc les historiens de l'art constataient que l'art officiel, finalement, le paysage officiel, était organisé autour de ces paysages historiques, de ces tableaux donc, qui rappelaient le travail des peintres du XVIIe siècle, particulièrement de Nicolas Poussin ou de Claude Gelée-le-Lorrain, qui tous deux avaient ainsi donné de la noblesse aux gens du paysage en enrichissant les paysages avec des scènes historiques ou mythologiques. D'un côté, ces paysages historiques étaient détestés par l'histoire de l'art, et d'un autre côté, une méconnaissance d'un certain nombre d'œuvres et d'un certain nombre de réalités. On peut s'étonner d'ailleurs que les historiens de l'art ne se soient pas davantage intéressés à ces représentations des artistes en plein air, qui étaient très anciennes.
On a des tableaux, comme c'est le cas ici avec ce tableau d'Hubert Robert, qui représente des artistes travaillant à Tivoli, un tableau qui date des années 1760 et qui nous montre des artistes qui travaillent en plein air, qui sont vraiment sur le motif, très tôt, bien avant Corot et évidemment bien avant les peintres impressionnistes. On peut se demander pourquoi est-ce que l'histoire de l'art ne s'était pas intéressée plus tôt à la présence de ces gens en train de travailler. Alors bien sûr, la pratique du dessin en plein air est une pratique ancienne. On sait que Poussin avait l'habitude de travailler avec les techniques graphiques quand il se retrouvait parfois devant un paysage qui lui plaisait. Mais bien évidemment, ce que l'on considérait comme une innovation du XIXe siècle, c'était le travail des peintres à l'huile, avec donc les couleurs et avec le pinceau, qui donc aurait été une invention du XIXe siècle. Lorsque l'on regarde attentivement ces petits personnages, effectivement, on voit qu'ils sont en train de travailler avec des techniques graphiques. En revanche, lorsque l'on regarde ici le peintre anglais Jacob Moore, qui se met en scène de manière très, très noble, très fière de son métier, on voit qu'il a une palette, on voit qu'il a des pinceaux. C'est un tableau qui est peint en 1783, qui est un autoportrait qui se trouve à Florence, à la Galerie des Offices, la Galerie des Autoportraits des Offices. Et on peut voir que cet artiste, effectivement, alors travaille peut-être à l'aquarelle, mais plus vraisemblablement à l'huile, avec la palette qu'il tient dans la main. Donc on peut s'étonner de cette réalité qui montre des artistes au travail en plein air très tôt, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et ce discours des historiens de l'art qui, jusqu'à une période très récente, considérait que cette invention du plein air était une invention du XIXe siècle. Alors, le miracle artistique que représente Corot est toujours aujourd'hui d'actualité. Nous terminons cette conférence avec lui. Mais le miracle historique, effectivement, a commencé à être remis en cause en 1931, lorsque entre au musée du Louvre, par le biais d'une donation très importante, la donation de la princesse Louis de Croy, qui avait hérité de ses ancêtres des ensembles très importants provenant de l'atelier de Pierre-Henri de Valenciennes, un artiste qui travaille entre 1770 et 1819, date de sa mort, et également des esquisses des études d'un autre peintre, Achille Etna Michalon, un élève de Valenciennes, qui lui a travaillé autour de 1815-1820. Il est mort en 1824. En 1831, les connaisseurs, parce que le grand public n'en a pas encore connaissance, découvrent les études dont vous avez ici un exemple, de Pierre-Henri de Valenciennes, et s'étonnent de la fraîcheur de ces couleurs, du brio de cette technique, de la liberté de facture, et découvrent également que ces œuvres ont été peintes en plein air. Or, Pierre-Henri de Valenciennes travaille en Italie, c'est ici bien sûr des ruines dans la Villa Farnèse qu'il représente, travaille en Italie autour de 1782-1784 pour son premier voyage, et donc cela veut dire qu'on travaille en plein air de fait très tôt. Et de la même manière, Achille Etna Michalon, lorsqu'il voyage en Italie, réalise en 1819, durant son séjour en Sicile, cette étude peinte en plein air représentant le théâtre de Taormina, qui montre également cet intérêt pour la lumière, pour le travail direct et la recomposition des volumes avec ces effets de lumière très intenses qui permettent une grande liberté d'exécution. Donc, l'histoire de l'art va mettre en fait pratiquement 50 ans entre la découverte de ces études de plein air de Valenciennes et de Michalon jusque le moment où on va véritablement comprendre le phénomène de la création tel qu'il était en fait pratiqué par les paysagistes dès la seconde moitié du XIXe siècle, va donc mettre 50 ans à comprendre que l'impressionnisme n'a pas inventé le plein air et que le plein air, au fond, est un phénomène qui provient d'une part du XVIIIe siècle et d'autre part du travail d'artistes qui, en permanence, font un va-et-vient dans leur création entre la nature et l'atelier. Et je pense que pour bien comprendre le processus de création tel qu'il est compris à la fin du XVIIIe siècle,
il faut que l'on regarde le travail d'un artiste peu connu qui s'appelle Louis Goffier, qui, comme tous les autres, fait le voyage en Italie et qui travaille plus particulièrement dans la vallée de l'Arno, près du site de Vallombrosa. Près du site de Vallombrosa, il est enthousiaste devant cette plaine de l'Arno avec ses effets de perspective très beaux, les montagnes au fond, l'Arno qui passe dans la vallée et tous les différents plans des champs que l'on peut deviner. Il travaille bien sûr avec les techniques graphiques, comme on le fait depuis longtemps, et vous avez ici un dessin qui représente ce site, dessin qui est conservé au musée Fabre de Montpellier. Et puis il travaille avec l'huile, devant le même motif, avec le même cadrage, également en plein air. Et vous avez ici l'étude peinte en plein air, qui est également conservée au musée Fabre à Montpellier, et qui reprend le même point de vue que le dessin que vous venez de prendre. Donc voilà un artiste qui s'intéresse à un site, qui veut en garder le souvenir de manière très précise, et qui utilise les techniques graphiques, et qui utilise également les techniques de la peinture à l'huile, pour conserver le témoignage le plus fort de cette vue de l'Arno depuis Vallombrosa. Vous voyez qu'évidemment, il y a un travail très, très attentif sur les lointains, ce que l'on appelle les lointains, c'est-à-dire les montagnes que l'on a au fond. Autant dans le dessin, il recherchait la précision, c'est-à-dire les différents plans, la manière dont les plans sont constitués, autant dans l'étude à l'huile en plein air, il s'intéresse aux effets de lumière, aux effets de transparence à travers ces brouillards et ces nuages bas que l'on devine au fond, et aussi à la recomposition des volumes du premier plan, et particulièrement des bâtiments de l'abbaye qui se trouvent en bas à gauche. Il s'intéresse à la recomposition de ces volumes à partir des ombres et des lumières, mais cette fois en utilisant bien sûr la couleur. Par la suite, Goffier reprend ces deux études et compose des grands tableaux. Tableaux qui, cette fois, sont destinés très, très clairement au commerce. Et en atelier, bien sûr, il travaille ces grands tableaux. Vous voyez qu'il rajoute des personnages avec une petite scène pittoresque, un moine qui montre le site à des visiteurs, à des touristes. Il arrive à conserver la fraîcheur et la beauté du site qu'il avait étudié en plein air, mais cette fois dans une œuvre de grande dimension qui est exécutée en atelier. Et puis, il lui arrive de continuer son travail, et ce tableau qui est conservé au musée Marmottan à Paris montre une variante où cette fois, non seulement conserve bien sûr le site tel qu'il était, mais il rajoute carrément un élément qui n'était pas dans l'étude précédente, cette terrasse au premier plan qui donne un point de vue en apparence différent, mais en fait quand on regarde de près c'est exactement le même cadrage. Donc vous voyez ce va-et-vient entre le travail sur le motif en plein air et ensuite ce travail que l'on effectue en atelier, pour partie de mémoire, on dit alors de ressouvenir, pour partie en travaillant sur les esquisses qui avaient été exécutées sur le motif, c'est exactement cela qui permet de comprendre le phénomène de l'histoire du paysage à la fin du XVIIIe siècle, la manière dont la peinture en plein air va devenir véritablement une discipline importante durant cette période. Alors, bien évidemment, il faut s'intéresser, je pense que c'est quelque part peut-être le meilleur moyen de comprendre la façon dont l'étude de plein air, l'étude d'après-nature, va progressivement devenir autonome, va progressivement se libérer de cette relation avec le travail en atelier. C'est le grand processus qui se met en place à partir de 1780. Les artistes travaillent en plein air, comme nous venons de le voir, pour préparer des tableaux qu'ils vont ensuite peindre en atelier. Et progressivement, ce travail en plein air va devenir tellement passionnant pour eux, tellement motivant, qu'ils vont s'y consacrer des jours entiers. Et progressivement, ces études vont devenir, en fait, pour eux, des véritables créations autonomes des tableaux de plein air. Mais ce processus est lent. Et lorsque Pierre-Henri de Valenciennes commence son œuvre autour de 1770-1775, ses premiers dessins connus datent de 1772-1773.
il est à une période où l'étude en plein air est véritablement au service du grand genre, du genre évidemment majeur qui est le paysage historique. Et longtemps, les historiens de l'art ne connaissaient de Pierre-Henri de Valenciennes que des grandes compositions qui étaient exposées au salon, comme ce tableau représentant Cicéron découvrant le tombeau d'Archimède, qui est conservé à Toulouse, au musée des Augustins, qui est exposé au salon de 1787, et qui montre bien l'aboutissement du travail de Pierre-Henri de Valenciennes. Pour lui, un paysage noble, un paysage réussi, un paysage parfait, est un paysage historique, c'est-à-dire c'est un paysage qui conserve le lien avec le récit, qui conserve le lien avec la figure humaine et qui concerne bien sûr le lien avec la grande tradition de la peinture d'histoire, c'est-à-dire la représentation de sujets nobles, de sujets mythologiques ou de sujets religieux. Et bien évidemment, c'est ce qui va irriter longtemps les historiens de l'art qui ne connaissent que ces grands tableaux de paysages historiques qui ensuite sont achetés par l'État et vont dans des musées. Et évidemment, les historiens de l'art en question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne connaissaient pas les études d'après nature de Valenciennes qui ne vont être redécouvertes qu'en 1931. Donc pendant très longtemps, ce sont des tableaux comme celui-ci ou comme le suivant, qui est déjà beaucoup plus animé, presque d'ailleurs romantique dans sa conception, qui montre l'éruption du Vésuve en 79, au moment où la ville de Pompéi et d'Herculanum, les villes de Pompéi et d'Herculanum sont détruites. Évidemment, là, on voit que Valenciennes cherche à démontrer qu'il est capable de représenter ce que l'on appelle alors le sublime de la nature, le moment où la nature devient terrible, où elle devient destructrice et où le spectacle qu'elle donne est un spectacle magnifique, justement parce qu'il est excessif. Et c'est ce que Valenciennes cherche à représenter ici, alors que dans le tableau précédent, il montrait une nature beaucoup plus accueillante, beaucoup plus belle dans le tableau de Cicéron et d'Archimède, et devant le tombeau d'Archimède. Et il va continuer à travailler le genre du paysage historique jusqu'à la fin de sa carrière, puisque vous avez ici le tableau qu'il présente au salon de 1819, qui est tout à fait représentatif de ce que le public connaît de son travail, des effets de nature. Vous voyez un ciel d'orage sur la droite, vous voyez un ciel calme sur la gauche, vous voyez évidemment un lac ou un étang, des arbres, des rochers, tous les éléments de la nature sont présents, recomposés, évidemment entièrement peint en atelier, et le paysage est donc un décor magnifique, mais un décor quand même, de la scène qui est représentée. Ici, c'est Mithridate qui se promène dans la nature et qui discute avec Démétrius, donc à chaque fois cette référence à la grande histoire ou à la mythologie qui ennoblit le paysage. Alors, il y a parallèlement à ce travail de paysage historique, un autre genre du paysage qui est à la mode, qui évidemment est considéré comme moins noble, comme moins important dans la carrière d'un paysagiste, mais qui tout de même a son intérêt, qui est très souvent présenté dans les salons et qui surtout est très recherché par les amateurs. C'est ce que l'on appelle le genre du paysage champêtre. Le paysage champêtre, c'est un paysage également travaillé en atelier, également recomposé d'après des souvenirs ou des travaux faits en plein air par le peintre. Mais cette fois, le sujet devient anecdotique. La présence humaine est toujours là, mais en mode mineur. Il n'y a pas vraiment de récit, et on s'intéresse davantage à la nature dans ce qu'elle peut avoir de simple, d'accessible, de quotidien. Et nous avons là un très bon exemple d'une vue du lac de Némi, qui est un tableau peint en atelier par Pierre-Henri de Valenciennes, montrant cet aspect qu'il a moins pratiqué, mais qu'il maîtrisait tout de même très bien, du paysage champêtre. Alors, il y a une petite référence, comme vous le voyez, avec ce berger qui joue de la flûte, qui est habillé à l'antique, en bas à gauche de la composition, mais ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un récit. Et la nature devient plus importante dans le paysage champêtre qu'elle pouvait l'être dans les deux paysages précédents.
Alors, le personnage de Pierre-Henri de Valenciennes mérite véritablement que nous nous arrêtions un moment sur sa personnalité et sur son travail, dans la mesure où il véritablement il synthétise beaucoup d'éléments qui avaient été conçus, pensés avant lui. Depuis toujours, on considère que l'artiste doit parfaitement maîtriser la nature pour pouvoir être un grand artiste. Dans tous les traités, et je dirais même si l'on remonte à l'Antiquité et au principe de la peinture dans l'Antiquité, on dit toujours que l'artiste, le créateur, qu'il soit peintre, sculpteur ou qu'il travaille dans d'autres arts, doit avoir parfaitement compris la nature s'il veut être un grand artiste. Donc cela veut dire qu'il faut qu'il la regarde, bien sûr, il faut qu'il l'étudie, de toutes les manières, et la science a une importance dans la formation d'un paysagiste, et cela depuis la Renaissance. Il faut également qu'il la regarde et qu'il la comprenne de manière extrêmement intime, mais il faut également qu'il la copie, bien sûr, que ce soit le modèle humain, c'est le travail que tous les artistes font d'après le nu dans les académies depuis déjà longtemps, et en tout cas les artistes de la Renaissance le pratiquaient déjà, et au XVIIe siècle c'était un exercice qui était tout à fait courant. Mais l'artiste doit aussi copier la nature, et pour cela il doit aller en plein air par définition. Et cette pratique du travail en plein air avec les techniques graphiques est ancienne. On a des exemples de dessins qui sont très clairement exécutés d'après nature dès la Renaissance. On se rappelle le travail de Dürer, le peintre allemand Dürer, qui avait travaillé à l'aquarelle devant des sites existants réellement, donc dans les conditions du plein air. Cette pratique existe au XVIIe siècle de manière très courante. Elle est documentée dans les traités. Au début du XVIIIe siècle, un théoricien français très important qui s'appelle Roger de Pile insiste d'ailleurs beaucoup sur cet élément en disant « Le jeune artiste, une fois qu'il a beaucoup travaillé en atelier d'après des gravures ou des dessins des grands maîtres, des grands paysagistes en l'occurrence, une fois qu'il a donc maîtrisé les formes de cette façon, c'est-à-dire en copiant les maîtres, il doit aller en plein air, il doit aller dans la nature et il doit se promener ». Il doit d'ailleurs, comme le dit Roger de Pile, se promener, pêcher, admirer le spectacle de la nature, et puis ensuite il doit travailler. Et il doit travailler, bien sûr, pour Roger de Pile, avec les techniques graphiques, avec les techniques du dessin, de manière à évidemment pouvoir aisément travailler, puisque, comme vous le savez, les techniques de la peinture à l'huile sont quand même difficiles à mettre en œuvre, puisqu'il faut broyer les couleurs. C'est un exercice assez long, et il faut ensuite, si l'on veut travailler en plein air, emporter les godets avec les différentes préparations. Et évidemment, c'est un attirail qui est un peu difficile à prendre hors de l'atelier. Donc Pierre-Henri de Valenciennes, bien sûr, travaille avec les techniques graphiques, et il travaillera toute sa vie avec les techniques graphiques. On voit, par exemple, avec ce dessin, qu'il regarde du côté des maîtres hollandais, des grands paysagistes qui avaient fait la célébrité de l'âge d'or du paysage en Flandre et en Hollande au XVIIe siècle. Il cherche à retrouver ce réalisme qui est un réalisme rustique, un réalisme de la campagne que les peintres hollandais maîtrisaient très bien. Et puis il fait ce qui évidemment est un exercice indispensable si l'on veut maîtriser totalement la nature, il fait des études, d'après le modèle, finalement, sur le motif, des différents éléments que la nature peut conserver. Ici, vous avez un arbre qu'il dessine au bois de Boulogne, à côté de Paris, en 1773. Donc vous voyez que nous sommes très tôt. Le dessin est à la fois localisé et daté, et il continuera à faire ses études. Vous voyez, la même année, un autre dessin qui représente un bouquet d'arbres qui montre cette relation très intime qui s'établit entre l'artiste et la nature à travers ce travail. Donc le principe du travail en plein air, comme vous le voyez, est très ancien, mais jusque-là, on travaillait avec ces techniques graphiques. Le temps fort du travail en plein air a toujours été le voyage en Italie.
C'est un moment où l'artiste quitte son pays, quitte sa famille, trouve une grande liberté dans sa vie quotidienne. Ces moments sont des moments très forts dans la formation d'un jeune en général, mais évidemment à plus forte raison dans la formation d'un artiste. Et lorsque il arrive en Italie, le peintre, comme le sculpteur, et le peintre d'ailleurs, qu'il soit peintre d'histoire, peintre de genre, portraitiste ou paysagiste, le peintre a tout de suite envie de représenter cette nature nouvelle qu'il a devant les yeux. Les paysages italiens ont cette caractéristique qu'ils sont bien sûr extrêmement diversifiés, extrêmement vivants, parfois très sauvages, mais surtout ils ont cette caractéristique qu'ils sont éclairés d'une lumière très particulière, d'une lumière très intense, très forte, et évidemment c'est cette lumière qui va intéresser les artistes. Et puis Henri de Valenciennes fait son voyage, son premier voyage en Italie en 1782, et bien sûr, il utilise les techniques graphiques immédiatement pour étudier cette nature italienne. Ici, nous sommes à Marino, près du village de Marino, et vous voyez qu'il continue toujours, presque 10 ans après les études d'arbres que nous venons de voir, à étudier les arbres. On voit très bien d'ailleurs qu'ici, c'est cette manière dont la lumière construit le tronc des arbres et construit les feuillages qui l'intéresse. Et il représente ainsi ce morceau de nature avec beaucoup de réalisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va reprendre à son arrivée en Italie une pratique qui avait déjà été tentée par quelques artistes avant lui. On a des exemples nombreux de peintres qui peignent en plein air ponctuellement, que ce soit en France, que ce soit en Italie, qui peignent en plein air avec les techniques de l'huile. Valenciennes va systématiser cela et il va travailler autant avec les techniques du dessin qu'avec les techniques de l'huile. Et c'est cela qui fait, je dirais, sa qualité principale et qui va également faire qu'aujourd'hui, on le considère un peu comme le père de toute l'école du paysage au XIXe siècle et comme le père, en tout cas, de la peinture de plein air. Parce qu'il va utiliser toutes les possibilités offertes par les techniques graphiques et par les techniques de la peinture à l'huile pour travailler en plein air. Et vous voyez qu'il étudie ici un bouquet d'arbres avec les techniques graphiques. Il fera de même avec les techniques de l'huile. Ici, ce sont des arbres qu'il peint durant une promenade dans les jardins de la Villa Borghese. Et vous voyez qu'il cherche le réalisme absolu dans les traitements de la lumière, dans l'imitation des troncs d'arbres, dans la manière dont les feuillages sont éclairés ou pas par les différents rayons du soleil. Et on voit très bien qu'il y a là nulle recherche de poésie, nulle recherche d'effet, je dirais même à ce stade-là, nulle recherche de sentiment. Il est un œil qui regarde et sa main reproduit ce que son œil voit. Donc c'est vraiment le travail de l'œil et de la main qui est très 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 important. On voit également que cette étude a demandé un certain temps de travail. Il est dans la logique, dans cette période-là, de ce que les maîtres enseignaient, c'est-à-dire qu'il fallait passer un certain temps devant le motif pour le comprendre, pour le bien le percer, et surtout qu'il fallait représenter chaque détail. Je dirais presque chaque feuille ou chaque écorce du tronc d'arbre doit être représenté. Donc ce sont des études qui sont très finies, qui sont très, très, très travaillées, mais qui sont exécutées en plein air. D'une manière générale, d'ailleurs, on a d'autres exemples ici, une étude de ruines qu'il a arrêtée durant une visite au Colisée à Rome. Il dessine ces ruines avec beaucoup d'attention. Et d'autres ruines de la même ville, Rome, mais cette fois de la Villa Farnèse, vont cette fois être représentées avec les techniques de la peinture à l'huile. Vous voyez que là, il y a déjà une évolution dans sa pratique. Il est beaucoup plus nerveux dans l'écriture, dans la touche picturale. Il ne cherche pas à détailler le premier plan. Toute la partie en bas à droite est assez indéfinie. Et il va beaucoup moins loin que dans la peinture à l'huile précédente, dans la représentation des feuillages et dans le traitement des rochers. Il est beaucoup plus allusif,
que précédemment. Il est davantage dans la synthèse picturale que dans l'analyse picturale comme il était auparavant. Et là, avec ce genre d'études, on voit sa manière future se mettre en place, c'est-à-dire qu'il va aboutir au constat que si on veut saisir l'effet de la nature, et particulièrement la lumière, qui pour lui est l'élément principal, au fond, il ne faut pas rester trop longtemps devant le motif. Il faut abandonner cette habitude d'une copie longue et mûrie telle que les maîtres l'enseignaient, mais il faut rester moins longtemps, il faut saisir l'impression visuelle, et surtout, il faut saisir la bonne lumière. Et la lumière étant changeante, évidemment, plus on reste longtemps, plus cette lumière va augmenter ou diminuer en fonction de l'heure de la journée, et évidemment, plus il va être difficile pour le peintre de représenter cette lumière. Donc, il va travailler de plus en plus vite, et il va conseiller plus tard à ses élèves de travailler vite, et il le disait, de ne pas rester plus de 2 heures devant un motif, si on veut véritablement saisir les effets de la nature dans des bonnes conditions. Voilà un des exemples de sa pratique à cette période. C'est une des œuvres qui, je trouve, est parmi les plus intéressantes de ses créations durant le voyage en Italie, parce qu'il y a vraiment une réflexion sur ce travail de la lumière et de son effet sur la couleur. Et c'est une réflexion très poussée qui montre un artiste qui maîtrise extrêmement bien non seulement la peinture, les techniques picturales, non seulement l'observation, mais également les effets de l'optique. Lorsque vous regardez cette ruine qui est noyée dans des feuillages, vous voyez que les feuillages sont peints avec des couleurs qui vont depuis le blanc jusqu'au noir, pratiquement, ou en tout cas un vert foncé. C'est-à-dire qu'il analyse, et c'est en fait l'exercice auquel il se livre dans cette étude, il analyse les effets de la lumière sur une couleur unique, le vert d'une feuille, et en fait, en fonction de la manière dont la lumière frappe cette feuille, la feuille peut être jaune très clair, voire presque blanc, comme elle peut être vert foncé, presque noir. Et entre les deux, il y a toute la déclinaison des verts, et parfois même de teintes bleutées qui peuvent surgir, parce que c'est la lumière qui fait la couleur. Et ça, c'est un constat absolument essentiel, que évidemment beaucoup de peintres maîtrisaient, mais qu'aucun n'avait été aussi loin dans l'analyse véritablement du phénomène visuel et également dans l'analyse théorique de ce phénomène. En quelque sorte, cette étude est une démonstration faite par Valenciennes de ce que la lumière provoque sur les volumes et provoque sur la couleur d'une manière générale. Donc c'est évidemment quelque chose de très important. Par ailleurs, on voit très bien que ces feuillages ne sont pas représentés d'une façon très réaliste, ce sont des touches de couleur, et qu'il ne cherche pas, par exemple, à peindre le premier plan. La partie basse est laissée très esquissée, c'est un petit chemin de terre, mais il n'a pas du tout cherché à la développer, comme il n'a d'ailleurs pas cherché à développer tellement le ciel, qui est d'un bleu intense, mais il n'a pas fait d'effet. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est cette gamme qui va d'une couleur très claire à une couleur très sombre sur des feuillages en fonction de l'éclairage lumineux. Alors évidemment, comme tous les artistes qui s'intéressent au paysage, durant ce voyage en Italie, il travaille également aussi bien avec les techniques graphiques qu'avec la peinture à l'huile toujours, le cadrage, la composition. Plus tard, Corot dira, un grand paysagiste est un peintre qui sait s'asseoir, c'est-à-dire qui sait trouver le bon cadrage et planter son chevalet et son petit tabouret au bon endroit pour avoir le bon cadrage. Et bien évidemment, à côté de ces études très précises, très détaillées, d'arbres, de rochers ou de feuillages, il y a des études plus larges, des compositions plus larges, où on s'intéresse à des effets de perspective, où on s'intéresse à des questions de cadrage. Et c'est le cas ici, avec ce dessin qui représente le chemin montant vers la Villa Médicis à Rome, qui est une composition assez élaborée avec des effets de perspective, comme vous le voyez, le chemin qui descend, le chemin qui monte, les différents bâtiments de chaque côté. C'est là un travail de cadrage qui l'intéresse, de composition et également de suggestion de la profondeur. Il va parfois dans des directions
identique mais plus libre, comme dans ce dessin où on voit qu'il commence à imaginer une petite scène en bas. Ce sont des personnages peut-être qu'il a vus sur le site, peut-être pas. Dans tous les cas, on a déjà l'impression que son imagination travaille un peu à partir de ce travail fait d'après des monuments italiens. En voici un autre exemple, toujours à Rome, qui montre cette fois non seulement ces bâtiments, ce travail sur les ciels très esquissé, mais également la rencontre avec le peuple italien, qui était toujours un moment très fort pour les voyageurs durant le séjour en Italie, avec ces paysans qui rentrent des champs. On voit que c'est un sujet potentiel pour un tableau du genre de ce que l'on appelle à l'époque les tableaux « retour d'Italie », c'est-à-dire des espèces de tableaux de souvenirs que l'on va montrer dans les salons, qui vont témoigner de l'exotisme du voyage que l'on a pu vivre durant le séjour italien. Et vous voyez là toujours que ce travail se fait avec les techniques graphiques et à l'huile, ces deux œuvres étant, comme la plupart de celles que je vous ai montrées précédemment, conservées au musée du Louvre, dans ce fameux fond dont je vous parlais au début de ma conférence, qui a été donné au Louvre par la princesse Louise de Croy en 1931. Autre exemple dans le même sens. Ce qui devient très important à partir de cette période-là, c'est que ses réflexions théoriques vont véritablement lui faire réfléchir à des questions qui sont des questions essentielles dans la pratique du paysage, et plus particulièrement trois d'entre elles: la perspective, dont il va devenir un très grand spécialiste, puisque plus tard, après 1800, il sera professeur à l'École des Beaux-Arts, en charge de l'enseignement de la perspective, et non pas de l'art du paysage. Il aura un atelier privé où il formera des paysagistes, mais à l'École des Beaux-Arts, il enseigne la perspective. Et cette question de la construction de l'espace, de la perspective, des volumes, est quelque chose qui le passionne, sur lequel il travaille beaucoup. Ce dessin, parmi de nombreux autres, en est un témoignage, et sur lequel il va avoir l'envie d'avoir une réflexion théorique. Et en 1800, il publie un ouvrage qui va être un ouvrage absolument essentiel, qui est un traité de perspective. Le projet initial est un traité de perspective, dans lequel il enseigne, il explique toutes les théories de la perspective, à destination d'ailleurs aussi bien des peintres que des sculpteurs ou des architectes, et même des ingénieurs. C'est un ouvrage qui a une portée très large, dépassant la pratique de la peinture, même si le cœur de ce traité parle de la peinture. Et dans la deuxième partie de ce traité, il intègre un autre livre pratiquement, qui sont les réflexions adressées à un paysagiste, où cette fois il parle du genre du paysage d'une manière plus large. C'est un ouvrage d'ailleurs qui s'adresse à des jeunes paysagistes pour leur enseigner un peu le savoir et la pratique du métier. Et il développe cette fois non pas la perspective qu'il a développée dans la partie essentielle de l'ouvrage, mais les différentes étapes de la formation, les lieux où il faut aller, quels sont les pays que l'on doit visiter, quels sont les motifs que l'on doit étudier. Et il y a véritablement autour de tout cela deux autres thèmes importants qui tournent: la lumière et la couleur, qui sont deux thèmes qui n'apparaissent pas forcément en tant que tels dans cette partie, mais qui sont sous-jacentes absolument partout, dans les raisons qu'il donne pour aller sur tel site ou pour aller travailler devant tel motif. Alors évidemment, il a construit toute sa connaissance sur la pratique sur le séjour en Italie, et un des grands effets du traité de Valenciennes, c'est qu'il va accélérer un phénomène qui existait déjà depuis longtemps, en tout cas depuis le XVIIe siècle, qui était de conseiller et de recommander, je dirais même d'imposer aux jeunes artistes le voyage en Italie, et particulièrement le séjour à Rome, pour pouvoir amasser des connaissances qui vont être utilisées ensuite durant toute une carrière. Et les grands monuments romains, ici le château Saint-Ange, Saint-Pierre de Rome que l'on voit au fond, ce sont évidemment des monuments qu'il faut connaître, à la fois pour leur beauté architecturale, pour leur grandeur historique,
mais également parce que pour un paysagiste, ça, ce sont des motifs à part entière. Et le traité, enfin la partie pardon, sur, l'enseignement du paysage, est une sorte de parcours initiatique, puisqu'il imagine que le jeune paysagiste doit travailler en Syrie, au Liban, en Palestine, doit passer par la Turquie, par la Grèce, mais la dernière étape du voyage, c'est l'Italie, évidemment, et Rome, qui est le lieu de la formation la plus complète. Alors évidemment, ce qui est important dans ces écrits théoriques, c'est qu'il va exploiter finalement tout ce que lui-même avait, avait découvert. Et il y avait chez lui véritablement une méthode. Une des choses les plus importantes, c'est qu'il insiste sur le fait que la lumière vient du ciel, et que donc il faut commencer par travailler le ciel, et que c'est le ciel qui va donner, en fait, je dirais, non seulement l'univers visuel du paysage, mais également l'univers poétique du paysage que l'on représente. Et donc il avait lui-même beaucoup travaillé durant ses séances en Italie, des scènes comme celle-ci, où il commençait par travailler le ciel, et où ensuite il travaillait la partie terrestre, mais évidemment avec un intérêt premier sur les effets de la lumière sur les volumes, et particulièrement les volumes des architectures. Comment est-ce que finalement c'est la lumière qui construit le volume à partir des ombres et des parties éclairées. Et ce travail, évidemment, est un travail qui est d'une grande précision, très réaliste, très scientifique. Et il souhaite que ses élèves soient capables de faire la même chose. En voilà un autre exemple avec ce très bel effet de ciel, très rapidement travaillé. Et là, on est sans doute dans une heure de temps ou une heure et demie de temps de travail, avec ce ciel qui, en fait, donne la lumière qui va composer véritablement la partie basse et les différentes maisons. Bien sûr, l'idée, c'est qu'ensuite, ces maisons pourront être réutilisées, ou ces effets pourront être réutilisés dans des tableaux d'atelier, comme les paysages historiques que nous avons vus tout à l'heure. Mais cette précision dans le travail, et également ce côté très pédagogique de son ouvrage, dans lequel il explique les manières de s'y prendre pour pouvoir travailler comme il faut pour un paysagiste, vont évidemment beaucoup faire réfléchir les peintres qui vont voir dans ce genre d'études, évidemment, au fond, une œuvre d'art à part entière. Alors, il va falloir attendre longtemps, parce que ces œuvres, comme je vous l'ai dit, vont rester méconnues. Aujourd'hui, elles sont considérées comme des œuvres d'art. Pour Pierre-Henri de Valenciennes, c'était véritablement une sorte d'exercice, puis ensuite un moment très fort de l'étude préparatoire. Évidemment, progressivement, Valenciennes lui-même va se passionner pour cela, va passer des heures et des heures à travailler devant des motifs extrêmement différents, et ses études, même pour lui, vont devenir un moment très fort de sa créativité, parfois même sans avoir aucun lien avec des œuvres futures, et très souvent sans être réutilisées dans des œuvres futures. Quand je disais tout à l'heure que les ciels sont très importants, je voulais aussi insister sur le fait que ces ciels donnent bien sûr la construction, la composition, la construction de la partie basse d'un paysage, mais ils donnent aussi l'émotion, ils donnent aussi le sentiment. C'est à partir de ces ciels que la rêverie peut se mettre en place, que la mélancolie peut apparaître. Et évidemment, les effets de ciel du soir, comme c'est le cas ici, à Rome toujours, donnent un certain effet poétique. Et Valenciennes va donc plus loin que ce que tous les maîtres avaient préconisé auparavant, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à la simple étude réaliste de la nature, il va véritablement dans la direction de l'étude du sentiment de la nature, ce que l'on appelle le sentiment de la nature, c'est-à-dire les émotions que l'on ressent devant la nature et les émotions que l'on va avoir envie de faire partager aux spectateurs. Et bien sûr, un ciel de cette nature, c'est-à-dire c'est le soir, le soleil est encore en train d'apparaître à travers les nuages, crée un sentiment.
Et cela, évidemment, c'est quelque chose qui l'intéresse et il va en chercher les effets dans des études parfois très esquissées, comme ici cette vue de Rome qui est sans doute peinte le matin et qui donne un autre univers sensible, un autre univers poétique qui, là, est plus lié à l'effet de brouillard du matin, à l'effet du jour qui se lève, qui évidemment évoque un autre état d'esprit, un autre état d'âme. Et puis, bien sûr, il a parfaitement compris, comme tous les gens de sa génération, puisque c'est un mouvement qui est en train de se répandre à travers toute l'Europe, avec le Sturmundrang en Allemagne, avec les premiers effets du romantisme en Angleterre ou en France, il a parfaitement bien compris que la nature offre aussi un spectacle, qu'elle est en elle-même un sujet, et que ce sujet, il provoque des sentiments. Il y a les théories du sublime qui sont développées à cette époque par Edmund Burke en Angleterre et Emmanuel Kant en Allemagne. Ce sont des textes que les artistes connaissent, lisent et qui les intéressent. Et la nature, lorsque tout d'un coup elle est en fureur, lorsqu'il y a des trombes d'eau qui tombent sur un village, un orage comme c'est le cas ici, c'est un spectacle sublime que l'artiste doit être capable de comprendre et de représenter. Et une étude comme celle-ci, qui est faite d'après nature, sur le motif, évidemment, fait très bien comprendre que l'artiste valencienne ici recherche, bien sûr, tout ce qu'il peut accumuler dans sa mémoire à travers son regard, mais également tout ce qu'il peut accumuler par la mémoire comme sentiment qu'il pourra ensuite réutiliser dans des compositions. Mais bien sûr, les sentiments, au moment où il les vit et le moment où il peint, provoquent chez lui une émotion qui est évidemment une émotion de création. Et c'est cet aspect-là que les artistes, tout au long du XIXe siècle, vont chercher à développer davantage. Alors, vous avez vu passer déjà quelques œuvres pour ceux qui ont vu l'exposition, qui se trouve dans l'exposition. Vous avez pu le voir pour ceux qui l'ont visité, l'exposition dans sa première salle montre ces deux œuvres qui sont aujourd'hui célèbres, mais je le répète, qui n'ont été en fait découvertes qu'à partir de 1931, qui représentent, toujours par Valenciennes, un toit tout à fait misérable de Rome, éclairé par le soleil, et le même point de vue pris dans l'ombre, ou en tout cas à contre-jour, avec exactement le même cadrage. Ces études, on a très très souvent dit que c'était par définition la preuve que Valenciennes était l'ancêtre des impressionnistes. Alors on avait dans un premier temps dit que c'était Corot qui était l'ancêtre des impressionnistes, puis ensuite on dit que c'est Valenciennes qui est l'ancêtre des impressionnistes. Dans les deux cas, il faut quand même comprendre quelque chose d'important, c'est que Corot, ses études d'Italie, dont nous avons vu une tout à l'heure et que nous verrons à la fin de cette conférence, ses études d'Italie, les artistes ne les découvrent qu'à la vente posthume de Corot, c'est-à-dire en 1875. Donc, lorsque les impressionnistes peignent à partir de 1865, et en tout cas de façon systématique 1870, et lorsqu'ils exposent en 1874 à la première exposition des peintres impressionnistes à Paris, ces fameux tableaux peints en plein air que l'on qualifiera d'impressionnistes, ils ne connaissent pas les études d'Italie de Corot. Ils ne les connaissent pas, ils ne les ont pas vues. Certaines sont dans des collections particulières et sont un peu mythiques, mais elles sont fondamentalement dans l'atelier de Corot. Il faut donc être allé dans l'atelier de Corot. Et dans l'atelier de Corot, il y en avait quelques-unes qui étaient accrochées au mur, mais très peu. Donc ces études ne sont pas connues. Et celles de Valenciennes ne sont pas connues non plus, puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois, elles sont réapparues en 1931. Donc le lien entre ces artistes et les impressionnistes, il ne se fait pas à travers les œuvres. Il se fait à travers la théorie, c'est-à-dire c'est véritablement la théorie qui est développée par les professeurs. Pierre-Henri de Valenciennes forme Achille Etna-Michalon, Achille Etna-Michalon forme Camille Corot, Camille Corot formera, bien qu'il ne soit pas un très bon professeur, Camille Pissarro. Et donc c'est cette succession de formations, la lecture du traité théorique de Pierre-Henri de Valenciennes qui va effectivement marquer les artistes impressionnistes et pas les œuvres. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à retenir, dans la mesure où lorsque l'on voit ces deux célèbres
représentation des toits de Rome, on se dit, mais voilà, Claude Monet ou Renoir, ils ont dû voir ça. Mais non, ils n'ont pas pu voir ça. En revanche, ils ont lu le texte qui explique tout ça. Dans son traité, dans la partie concernant la perspective, Pierre-Henri de Valenciennes explique comment est-ce que l'on doit peindre les ombres. Et il constate, parce qu'il a beaucoup regardé la nature, mais également parce qu'il a étudié les scientifiques, que les ombres sont colorées, que les ombres ne sont pas noires, qu'elles ont une couleur. Et il explique comment est-ce qu'on peut rendre cette couleur avec le pinceau. Et c'est véritablement ça qui est démontré ici avec ces deux études. On voit très bien, on est à l'ombre, mais l'ombre est colorée. Elle est marron, elle est vert-olive, elle est un petit peu plus foncée, un petit peu plus claire. Il y a une couleur, ce n'est pas du noir. On avait toujours dit que c'était les impressionnistes qui avaient inventé les ombres colorées. C'est un des grands lieux communs lorsque l'on lit les ouvrages consacrés à l'impressionnisme. En fait, non, c'est Valenciennes qui a le premier théorisé cette question des ombres colorées et qui en a fait la démonstration dans ces deux œuvres. Évidemment, c'est quelque chose de très important parce que cela donne non seulement un réalisme, mais une légèreté et une profondeur aux œuvres qui est tout à fait intéressante. Et évidemment, lorsque l'on sait qu'en 1880, Camille Pissarro conseille à son fils de lire le traité de Valenciennes parce qu'il considère que dans le traité de Valenciennes, toutes ces questions essentielles pour le paysage de la lumière, des ombres sont posées, on comprend très bien que c'est par ce biais que l'influence s'est faite et pas à travers ces œuvres aussi séduisantes, aussi lumineuses, colorées soient-elles, comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, là aussi, il faut un peu nuancer le propos. Pierre-Henri de Valenciennes, lui non plus, bien qu'étant un miracle artistique, n'est pas un miracle historique, puisqu'il n'est pas le seul à faire cela à cette période. Vous avez devant les yeux un tableau très célèbre qui est conservé à la National Gallery de Londres, qui a été peint durant le voyage en Italie par un artiste anglais qui s'appelle Thomas Jones. Et cette œuvre est peinte en 1782, exactement la même année où Pierre-Henri de Valenciennes arrive à Rome et où il commence à travailler, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc ce travail sur la composition par la lumière, des couleurs, des volumes, des formes, est évidemment pratiqué par d'autres artistes au même moment. C'est une tendance forte de cette période qui vient du progrès des sciences, qui vient du progrès de l'optique, qui vient de l'intérêt renforcé pour le réalisme et pour la représentation de la nature et d'une manière générale de ce que le monde nous propose, que ce soit dans des milieux urbains ou que ce soit dans des milieux de campagne. Et Thomas Jones, qui va très loin dans le réalisme, là, avec la représentation de cette petite fenêtre, avec du linge qui sèche, avec ce mur très, très rugueux, très, 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 très pauvre, qui est presque misérable, et puis cette manière de peindre le ciel de façon très, très plate, Thomas Jones est exactement dans la même logique que Pierre-Henri de Valenciennes durant cette période. La différence, c'est que Thomas Jones nous laissera un journal et des mémoires tout à fait passionnantes, dans lequel il raconte beaucoup de choses, mais il ne laissera pas cette somme théorique que Pierre-Henri de Valenciennes pourra laisser et qui aura donc l'importance que je vous ai décrite plus tard. Vous avez dans l'exposition qui est présenté ici ce tableau, qui est un autre tableau de Thomas Jones, représentant cette fois peut-être quelque chose d'un peu plus noble, enfin avec un cadrage très original, mais une vue un peu plus noble de Naples, qui est exactement dans le même esprit de ce que vous avez pu voir tout à l'heure, travaillé par Pierre-Henri de Valenciennes. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette période est une période de tournant. Il y a cette génération d'artistes qui travaillent dans cet esprit. Ici, vous avez un artiste originaire d'Aix-en-Provence qui est lui aussi présenté dans votre exposition, qui s'appelle Jean-Antoine Constantin, qui vient à Rome à peu près au même moment, qui travaille dans le même esprit et qui, lui, aura une grande importance, pour, non pas pour
l'école parisienne du paysage, comme cela pourra être le cas avec Pierre-Henri de Valenciennes, mais pour l'école méditerranéenne. Et je pense que c'est intéressant à voir. Il y a une chose qui est très importante, c'est la diffusion des idées. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens voyagent beaucoup plus que ce qu'on croit, en tout cas les artistes voyagent beaucoup plus que ce que l'on croit, et les idées voyagent également beaucoup. Et tout ce qui se passe en Italie, tout ce travail fait par Valenciennes, par Thomas Jones, par Jean-Antoine Constantin que vous voyez ici, tout ce travail, lorsque les artistes reviennent dans leur pays, ils vont le montrer dans certains cas, l'expliquer, l'utiliser, et des jeunes artistes vont être intéressés par cette démarche. Jean-Antoine Constantin, lui, revient dans sa ville d'Aix-en-Provence, après avoir peint des études à l'huile comme celle-ci, ou des études de ciel comme celui-ci, en revenant à Aix-en-Provence, il va transmettre un certain nombre de réflexions, un certain nombre de techniques, et également il va montrer ses œuvres à des artistes comme François-Marius Granet, qui est un autre grand peintre originaire d'Aix-en-Provence. Et il va y avoir à Aix-en-Provence une école de paysage qui va être importante, d'artistes travaillant parfois uniquement sur place à Aix-en-Provence, parfois allant à Paris, comme c'est le cas de Granet, mais tous ayant en commun cette influence de cette technique et de ces théories que Jean-Antoine Constantin avait rapportées d'Italie. Lorsque l'on sait que Paul Cézanne, plus tard, naîtra à Aix-en-Provence et que ses premiers pas de peintre se feront à Aix-en-Provence, on comprend pourquoi est-ce que cette question de la lumière et des volumes lui importe tellement. Cela vient justement de cet enracinement dans cette école d'Aix-en-Provence où il avait grandi et où il avait commencé à apprendre son métier. On voit bien cette continuité donc, qui existe dans certaines écoles. Autre exemple qui me paraît tout à fait intéressant, Jean-Joseph Xavier Bidot, qui est un artiste qui lui aussi est en Italie à peu près au même moment, plutôt vers 1790, qui peint des grands paysages comme celui-ci fait en plein air. Je dis grand parce que ce sont des feuilles de papier assez importantes qu'il utilise par rapport à Pierre-Henri de Valenciennes. Et Jean-Joseph Xavier Bidot, lui, est un artiste qui présente un intérêt tout à fait particulier dans cette histoire, puisqu'il travaille, jeune artiste, beaucoup en plein air. Il devient un grand peintre de paysages historiques. Il expose à Paris des paysages historiques extrêmement ambitieux dans les années 1815-1830, et il est toujours là en 1845. Et lui, il montre un exemple d'un artiste qui a fait partie de ce courant très novateur, très intéressant au niveau technique et encore plus passionnant au niveau théorique, mais qui en 1845 est toujours là, est devenu un artiste académique et qui va combattre avec force l'école de Barbizon, puisque cela va être un des plus grands critiques de l'œuvre de Théodore Rousseau. Lorsque Théodore Rousseau commence à travailler, on voit comment certains de ces artistes ont eu leurs limites dans leur évolution et n'ont pas su tirer toutes les conséquences de ce qui avait été découvert dans ces années 1780 dans leur œuvre même. Alors, il y a d'autres artistes qui sont des artistes moins connus peut-être, mais qui me paraissent vraiment importants dans, cette traversée de l'histoire du paysage de plein air, qui sont des contemporains de Pierre-Henri de Valenciennes à quelques années près. Ici, c'est un artiste qui s'appelle Alexandre Hyacinthe Dunouy, qui est un peintre peu connu, qui travaille beaucoup en plein air et qui, lui, aura une grande qualité, c'est qu'il exposera ses études peintes d'après nature. Et ça, je pense que c'est un tournant supplémentaire. Pierre-Henri de Valenciennes, ses études d'après nature, il les conservait dans des cartons, il les donnait à copier à ses élèves, ça c'est évidemment un élément important, mais il ne les exposait pas, il ne considérait pas que c'était des œuvres à part entière ayant l'intérêt pour être exposées. Il les gardait donc pour lui comme une sorte de documentation finalement. Alexandre Hyacinthe Dunouy, comme Hubert Robert, qui est lui de la génération d'avant, considère que ce travail de plein air, lorsqu'il est particulièrement réussi, lorsqu'il est particulièrement fort, peut être exposé. Et il sera un des premiers peintres à envoyer au salon, très tôt, dans les années 1800,
Hubert Robert, c'est plutôt vers 1770-1780, des œuvres qu'il appelle études d'après nature, qui sont des études d'après nature, mais qu'il expose au public. Donc, tout d'un coup, ces études, cette documentation prend le statut d'œuvre d'art. Et cela très tôt, donc, puisque nous sommes autour de 1800. Et cet artiste, Alexandre Hyacinthe Dunouis, aura donc une grande importance pour cela, parce que, évidemment, c'est un des premiers à présenter des œuvres qui ont été peintes en plein air. Et d'ailleurs, il le met dans le livret du salon, telle vue, vue de tel endroit, peint d'après nature, et parfois il met même le jour précisément, et parfois même l'heure où l'œuvre a été ainsi peinte. On peut le soupçonner de tricher un petit peu, tant parfois ses œuvres sont parfaites. Il est vraisemblable qu'il devait peut-être les retoucher un tout petit peu en atelier avant de les mettre au contact avec le public. Alexandre Hyacinthe Dunouis sera le premier professeur d'Achille Etna Michalon, dont nous avons parlé tout à l'heure, et Michalon sera le professeur de Corot. Et vous voyez la continuité entre ces artistes. Corot exposera des œuvres peintes d'après nature, mais assez tard, dans les années 1840. Il est l'enfant de cette tradition, de ce côté très décomplexé de peintre paysagiste qui considère que si un paysage est très beau, très réussi, si la représentation de la nature est parfaite, eh bien, il peut être exposé, même s'il a été peint dans des conditions un peu périlleuses que sont les conditions du plein air. Il y a des artistes qui, eux, malheureusement, sont des artistes qu'on a oubliés. Ici, un artiste qui s'appelle Boisselier, qui est un merveilleux artiste de plein air, qui représente ici le lac de Némi, qui montre la vivacité de cette école, la vigueur de cette école. C'est un tableau qui est conservé à la National Gallery de Washington, qui est un tableau d'une beauté dans le traitement de la lumière, aussi bien dans le traitement des reflets sur l'eau que de ce premier plan où nous retrouvons ce travail dans les feuillages qui va de teintes très claires à des teintes très sombres, et évidemment un merveilleux morceau des collines que l'on voit au fond qui sont travaillées d'une manière extrêmement raffinée. J'ai choisi ce tableau parce que c'est évidemment un chef-d'œuvre, mais également parce que je veux bien insister sur le fait que c'est tout un courant, c'est toute une école. Alors il y a cette figure centrale de Valenciennes parce qu'il a été théoricien, parce qu'il a été un grand professeur, parce qu'il a formé beaucoup d'artistes de la génération suivante, mais c'est un courant. Donc ce n'est pas un acte d'un peintre isolé qui serait une sorte de précurseur un peu solitaire. C'est véritablement toute une école qui, à cette période-là, non seulement en France, mais nous l'avons vu en Europe, travaille en plein air et développe ses techniques de peinture à l'huile en plein air. Alors, je parlais d'Achille Etna Michalon, qui est très bien représenté dans votre exposition. C'est un jeune artiste qui commence à peindre le paysage très, très jeune, qui connaît une gloire immédiate et qui est un cas un peu unique dans l'histoire de l'art, dans la mesure où il va, à lui tout seul, en étant bien aidé, mais c'est lui qui va être l'inspirateur, donner au genre du paysage la noblesse qui lui manquait. Depuis toujours, le paysage était considéré comme un genre mineur, comme un genre très en dessous de la grande peinture d'histoire, mais même en dessous parfois du portrait, qui était considéré comme plus noble que le paysage. Et toute cette école, dès les années 1780, va commencer à protester en disant « c'est véritablement un scandale, notre genre, le paysage, est au contraire un genre majeur, en représentant la nature, en fait, on est capable de tout faire, c'est un exercice très compliqué que de représenter la nature, et nous voulons que l'on considère notre genre comme un genre supérieur ». Évidemment, l'Académie ne le reconnaissait pas. C'est ce qui explique d'ailleurs le développement du paysage historique, puisque c'était un moyen de faire du paysage, d'exposer, d'être reconnu, d'ennoblir le paysage pour rentrer dans ce cadre qui était très étroit. En 1816, Michalon, qui est très jeune, il est né en 1796, donc il a 20 ans, fait ce que l'on appelle du lobbying aujourd'hui, auprès des membres de l'Académie pour que l'on crée un grand prix de Rome de paysages historiques.
Alors le Grand Prix de Rome, c'est un élément très important en France de la formation, puisque c'est un Grand Prix qui est organisé généralement tous les 2 ans, parfois tous les 4 ans, ça dépend des époques, depuis le XVIIe siècle, pour la peinture, la sculpture, la gravure, l'architecture, et qui, après un concours très sélectif, permet à des jeunes artistes de partir à Rome, à l'Académie de France à Rome, et de passer 1 an ou 2 ans à se former. Évidemment, c'est donc très important, puisque ça permet à un artiste de financer son voyage en Italie. Mais le paysage, évidemment, n'est pas considéré en tant que tel, comme pouvant être, faire l'objet de la part d'un candidat d'une participation au Grand Prix, puisque c'est le Grand Prix de Rome de la peinture d'histoire qui existe à cette époque-là. Et donc Michelon écrit une lettre qu'il envoie à tous les académiciens protestant et réclamant la création d'un Grand Prix de Rome du paysage historique, et il l'obtiendra. Il sera beaucoup aidé, évidemment, par des grandes figures de la peinture française qui pensent comme lui, et il aura la chance d'être le premier lauréat de ce Grand Prix de Rome, ce qui lui permettra de partir en Italie. Le fait que ce Grand Prix de Rome de paysage soit créé cette année-là va avoir une grande importance, puisque c'est le début de la reconnaissance du paysage comme un genre majeur, et cette reconnaissance ne faiblira plus, puisque le paysage va devenir progressivement, tout au long du XIXe siècle, le genre le plus important de la peinture, quantitativement sûrement, mais également qualitativement, puisqu'on va avoir de moins en moins de peintres d'histoire, et d'ailleurs parfois de moins en moins de portraitistes, mais de plus en plus de paysagistes. C'est donc le début de cette histoire qui se situe au milieu de ce processus dont je viens de parler et qui se situe dans l'influence de Pierre-Henri de Valenciennes, puisque c'est son travail qui a permis tout cela. Alors durant son séjour en Italie, Michelon, bien sûr, reprend les principes théoriques et les exercices pratiques que Valenciennes conseillait. Il travaille en plein air, ici des vagues au pied d'un rocher, un magnifique forum de Pompéi avec un travail de la lumière, de la couleur, avec ces marrons très raffinés, ces marrons clairs très raffinés, ces roses très raffinées, des briques, et puis des effets de lointain extraordinaires. Quand on voit les collines qui sont au fond, on a un merveilleux morceau de peinture. Donc ces œuvres conservées aujourd'hui au musée du Louvre seront dans la collection de cette fameuse princesse Louise de Croy, dont je parlais au début, qui possédera tous ces Valenciennes et qui possédera aussi pratiquement l'intégralité de l'atelier de Michelon, qui est aujourd'hui présenté pour partie au musée du Louvre. Vous avez dans votre exposition cet extraordinaire petit tableau représentant l'éruption du Vésuve, qui est d'une rapidité d'exécution et d'une précision dans la saisie des lumières rouges et jaunes de la lave en fusion. C'est une œuvre de très petit format, mais qui est très très impressionnante, qui montre donc le talent de Pierre-Henri de Valenciennes. Autre figure que je pense importante à citer, la personnalité de Granet, dont je parlais tout à l'heure, François-Marius Granet, qui est donc ce père de l'école d'Aix-en-Provence, qui lui va avoir une autre qualité qui va avoir une grande importance, c'est qu'il va, dans ces dernières années, créer un musée à Aix-en-Provence, qui existe toujours, qui porte son nom, le musée Granet, auquel bien sûr il donnera toute son œuvre, tout son fonds d'atelier. Mais ce musée va devenir un lieu de promotion du paysage, et c'est un des premiers musées en France, très tôt, puisque Granet meurt en 1849, et il commence à travailler à la création de ce musée dans les années 1825-1830. C'est le premier musée, finalement, qui va être un musée un peu spécialisé dans la gloire du paysage, et il va chercher à y faire entrer des grands paysagistes du XVIIe, des figures intéressantes de son époque, etc., et évidemment son œuvre personnelle. Donc on a une étape supplémentaire. Après l'exposition au Salon, des artistes comme Granet vont réfléchir à cette intronisation définitive, en quelque sorte, que peut représenter l'arrivée du genre du paysage dans un musée. Alors lui aussi, nous l'avons vu, Granet a beaucoup travaillé en Italie avec les techniques de Pierre-Henri de Valenciennes, très tôt, dès 1800. Ici, c'est une œuvre peinte en plein air autour de 1800.
Et il est surtout célèbre pour ses innombrables et magnifiques études très rapidement exécutées, tantôt à l'aquarelle, tantôt à l'huile. Ici, c'est une œuvre à l'huile. Vous en avez la présence ici dans votre exposition, qui devient un exercice de pur plaisir. Lui ne les exposera pas dans des salons, mais finalement il les exposera assez tôt au musée qui porte son nom à Aix-en-Provence. Mais pour Granet, le travail en plein air se détache complètement du paysage historique, des tableaux d'histoire qu'il a pu peindre et des paysages historiques qu'il a pu peindre. Ce sont vraiment des œuvres de pur plaisir. C'est le plaisir de l'artiste qui est devant un morceau de nature et qui se plaît à peindre un ciel et à le représenter de la manière la plus libre possible. Voilà un autre exemple qui est présenté ici également, où il s'amuse aussi avec le cadrage à travers cette arcade du Colisée. Tous ces artistes vont avoir une grande importance puisqu'ils vont former d'autres artistes. Et la génération de l'école de Barbizon est formée par ces gens. C'est-à-dire que le moment où ces peintres vont se décider à aller travailler en plein air, à revendiquer le plein air, à abandonner le paysage historique, à abandonner le récit et à exposer au salon des paysages purs, cette génération de l'école de Barbizon, donc Théodore Rousseau, Narcisse Diaz de la Peña, Jules Dupré, tous ces peintres, en fait, ont été formés par cette génération. Par exemple, cet artiste qui s'appelle Raymond, et le professeur de Théodore Rousseau. Vous voyez que quand on voit cette œuvre, on est dans l'esprit de Michalon, on est dans l'esprit de cette génération de 1820 qui travaille avec cette liberté dans la représentation de la lumière et des couleurs, dans le traitement des effets de vapeur d'eau, par exemple, ici. C'est un merveilleux paysage que vous avez devant les yeux qui montre cette qualité du travail de Raymond, qualité qu'il transmettra à Théodore Rousseau. Et Raymond a été un lauréat du Grand Prix de Rome de paysage historique dans sa jeunesse, donc il était totalement enraciné dans cette culture et dans cette tradition. Autre exemple, André Giroux, que nous avons vu tout à fait au début avec cette étude représentant un peintre travaillant en plein air. André Giroux, lui aussi, travaillera en Italie, à la manière de Valenciennes et de Michalon, mais il travaillera avec les artistes de l'école de Barbizon, parce qu'il vivra très âgé, dans les bois de Fontainebleau, et il leur expliquera ce qu'il a appris en rencontrant les grandes figures du paysage à Rome, et il ira en Bretagne et il rencontrera tous ces peintres qui commencent à aller en Bretagne autour de 1840 et il leur transmettra son savoir. Et nous sommes là dans les années 1840-1850, donc au cœur du 19e siècle. Et je terminerai avec la figure de Corot avec laquelle j'ai commencé, puisqu'il a eu la chance d'être un peintre qui a eu une carrière très longue, puisqu'il commence à travailler en 1820-1822. Il expose pour la première fois, c'est le tableau que vous avez devant les yeux, une vue peinte d'après le site de Narny, qui est un tableau qui est exposé ici, qui est aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa, qui est un tableau qu'il envoie d'Italie pour être exposé au Salon à Paris, un tableau peint en atelier, même s'il y a une petite étude d'après nature qui est conservée au Louvre. On voit très bien qu'il est dans cette tradition du paysage champêtre dont je parlais tout à l'heure. Donc il est enraciné complètement dans cette tradition. Il est formé par Michalon, il est formé par un autre peintre académique issu de la même tradition qui s'appelle Jean-Victor Bertin. Mais Corot, qui commence donc vers 1820-1822, il est toujours là en 1870-1875. Et il traverse en fait tout le siècle. Il est en Italie, il est dans les bois de Fontainebleau, il fait aussi partie de l'école de Barbizon, il est tout le temps en Bretagne, il voyage en Auvergne, il rencontre les artistes qui travaillent en Provence, cette école provençale dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un homme qui est une sorte de carrefour. Et il est également au carrefour de toutes les techniques du paysage, puisqu'il fait du paysage champêtre, comme vous le voyez ici. Il fera des paysages historiques, il en exposera beaucoup au salon, des paysages avec des sujets mythologiques et des sujets religieux. Il peint des paysages qui sont des paysages à la manière hollandaise, parfois. Il regarde du côté de la peinture anglaise, et il invente ce genre qui lui est très particulier, qu'il appellera le genre du souvenir, qui, justement, repose entièrement sur la recomposition par la mémoire,
à la fois des formes de la nature, mais également du sentiment que l'on a ressenti devant la nature. Donc c'est véritablement un homme qui sort de ce courant de la peinture de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, et qui va traverser en fait tout le XIXe siècle et côtoyer toutes les autres écoles de paysage. Et lui, il se détache définitivement, et c'est sans doute ça qui fait sa particularité, il se détache définitivement de cette relation finalement avec le travail d'atelier, je dirais, direct, où on réutilise une étude de façon extrêmement précise, il le fera parfois, mais quand il travaille en Italie, lorsqu'il peint ces rochers qui sont présentés dans l'exposition qui est ici, lorsqu'il travaille à Rome et qu'il peint cette étonnante île San Bartolomeo qui est conservée à Washington, où on retrouve tout Valenciennes, mais repensé, retravaillé, avec ses effets de perspective très raffinés. On voit qu'il y a vraiment une réflexion personnelle qui est menée par Corot. Et lorsque l'on voit ce paysage qui est présenté ici et le suivant qui est également présenté ici, on se rend compte qu'il n'y a aucun lien entre ces paysages et un paysage historique possible. Ce sont des études qui sont tellement synthétiques, tellement rapidement exécuté, avec ses aplats, avec ses raccourcis dans la manière de représenter les premiers plans, le fond, avec cette composition des volumes qui est très, très volontairement très brutale, très forte. Ce sont des œuvres qui sont des œuvres très personnelles, mais qui ne se raccordent pas à un tableau d'atelier. Ce sont véritablement des œuvres qui ont leur autonomie, qui sont faites pour elles-mêmes. Et nous avons là, avec Corot, dans cette manière de regarder la nature de façon très synthétique et de la peindre avec cette rapidité, cette efficacité et cet amour, sans chercher ensuite à réutiliser ces œuvres pour un travail futur, nous avons là des œuvres qui représentent la nature pour elle-même. Et le sujet de ces œuvres, c'est la nature. Et véritablement, le tournant, il est là. C'est le moment où ces études ne sont plus des étapes d'un processus, ne sont plus des tours de force techniques qu'on peut éventuellement présenter parce que ce sont des tours de force, ne sont plus des moments de plaisir personnel de l'artiste. Cela devient des œuvres à part entière parce qu'elles représentent la nature pour elles-mêmes et parce que le sujet de ces œuvres, c'est la nature. Et c'est véritablement le tournant qui est pris, qui est la conséquence de toute cette école du plein air de 1780 que nous avons vue, qui se prolonge jusqu'en 1820, dont Corot est issu, et qui va véritablement marquer tout le 19e siècle, puisqu'à partir de cette période, on acceptera le fait qu'on peut exposer un paysage quelque part, qu'on peut acheter un paysage, parce que c'est une représentation de la nature, et seulement pour cela. Et donc une œuvre d'art peut représenter la nature pour elle-même, c'est évidemment le grand apport du 19e siècle, qui est la conséquence de tout ce que nous avons vu ensemble ce soir. Je vous remercie de votre attention.